C'est tellement beau la musique. Ah, j'avoue, jusqu'à date, j'ai fait un peu quelques petits tests par-ci par-là, mais j'ai pas commencé du tout. Juste pour vous dire, la musique est vraiment belle. Allô tout le monde, voici Champion MCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'essai de jeu. Attention, la série essai de jeu n'est pas le jeu essai de jeu. C'est plutôt je teste des jeux. Tout simplement. Shadowverse. Je suis sûr que je le prononce mal, mais c'est pas grave, c'est un détail. Cette vidéo est montée par la personne qui me l'a proposé. Puis je vais toucher pour commencer. A few inches later. 100%. Symbole de salut, puis téléport pour pouvoir lire. Ok, au moins, je pense qu'on a le temps de lire. Très poétique. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire, là, c'est... Allez, joue, puis tatoué. Encore la forêt des elfes, Ariza et son ami, Lozaria, s'entraînent durement pour devenir garde sylvestre, qui doit être peut-être une garde très reconnue, peut-être. Je te reconnais bien. Tout ce que tu prends en main est une réussite. Mais non, il suffit de s'entraîner. Toi aussi, Ariza, tu es sur le bon chemin. J'ai encore du chemin à faire. Tu veux bien m'apprendre le tir à l'arc? Pas question que tu sois la seule à devenir garde sylvestre. Quand tu veux, ensemble nous serons plus fortes. Merci, Lozaria. Ce vent, on dirait que la forêt tremble. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu une bête pareille. Sale monstre, tu ne t'en seras pas ainsi! Scène suivante. Sanglier de Calydon. Je suis sûr que j'aurai pas le temps de lire. Et voilà. Vous êtes le premier joueur. Votre tour. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui ressemble à Hearthstone. Une série que j'ai joué puis que je ne jouerai plus. Petit problème technique. De toute façon, ça ne tentait pas de poursuivre la série non plus loin que la démo. Vous avez vu un peu que ça ressemblait, puis maintenant, on joue à ce jeu qui ressemble aussi à Hearthstone. Très bien. J'aime bien l'histoire. Les cartes sont jouées en échange de points. En gros, c'est un peu comme les points mana. Au moins, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Au moins, les cartes de type combattant ne peuvent attaquer lors d'un tour où elles sont jouées. Je veux dire, sont endormies pour... mis en attente, on va dire ça même. Votre tour. Attaquer, ça c'est attaquer, ça c'est Levi. C'est sûr que j'ai de l'expérience, mais il me semble qu'il ne disait pas nécessairement Hearthstone énormément de détails, à moins que c'est moi qui... Début de votre tour, non seulement les points PP sont entièrement restaurés, mais un point vient s'ajouter à ce total. Là, c'est le tour est terminé. Bon, une autre pareille. Vous pouvez choisir d'attaquer le meilleur ou le combattant adversaire. Essayez d'attaquer le meneur avec votre gobelin. Es-tu du meilleur, vraiment? Oui. Voilà. Bon. Le tour est terminé. C'est un tutoriel, c'est simple. À date, on laisse pas le temps à l'ennemi d'attaquer. Lorsque combattant adverse gardien est sur le plateau de jeu. Wow, la misère aller. Vous devez d'abord détruire ce dernier avant de pouvoir attaquer le meneur ou les autres combattants. Okay, là... On attaque lui. Bien. Il reste 4 vies à lui. Évolution possible, c'est quoi ça?
En échange d'un point PE, point d'évolution, vous pouvez faire évoluer un combattant par tour. Essayez de faire évoluer Goliath. Ok. Évolution. Faites évoluer ce combattant. Mon dieu. Ok, les combattants évoluent. Voient leur proie d'attaque et de vie augmenter. Ah, intéressant. Seuls les combattants évolués peuvent attaquer. Un combattant adverse uniquement, dès le tour où ils sont joués. Essayez d'attaquer le roi des gobelins adverses avec votre Goliath évolué. Ok. Ouch, ça fait mal. La bataille est remportée lorsque le meneur d'un des deux camps voit ses points de vie passer à zéro. Son chaleur. Attaquez le meneur adverse avec vos combattants pour gagner la bataille. Et c'est terminé. Désolé si je vous ai cassé les oreilles. C'est ça quand on s'emporte des fois. Yes. C'est ça quand on s'emporte. Destruction, une carte combat annuelle, peu importe. Sauvetage. Ah, ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On va refaire un autre parce que je veux en découvrir un peu plus. Alors, ça va être une série, finalement. Mais dans la série, j'essaie les jeux, ça va être différent. C'est pas une série où à laquelle que je vais aller définitivement comme jusqu'à bout. Ce qui veut dire que je peux arrêter à tout moment, comme Hearthstone. Hearthstone, la différence c'est que j'ai pas pensé à ça dès le début. Pensez à ça aujourd'hui parce que qu'est-ce qui me donne l'inspiration, c'est cet été avec les jeux que j'ai essayé comme City Skyland, Besiege, ces jeux-là. Dont je n'avais jamais joué. Ça a l'air intéressant honnêtement ce jeu-là. Vraiment, ça a l'air très intéressant. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, attendez un peu, Shadowverse. Désolé pour la prononciation. Encore, ça va être ça, je pense, à chaque fois. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des fous.